sapeur-pompier volontaire, c'est un peu un héritage familial. Mon père étant sapeur-pompier professionnel, j'ai décidé moi aussi de m'impliquer dans cet acte citoyen qu'est le volontariat. Je devais avoir 8-9 ans, suite à un incendie qui a eu, le gros incendie qui a eu la peine de père, qui est monté jusqu'à Aveyron. Je suis factrice, c'est mon métier. J'ai eu deux enfants assez jeunes et j'ai choisi de devenir pompier d'abord en tant que saisonnier et je viens de signer mon quinquennal. Alors, en tant que femme, c'est vrai que c'est comme un honneur d'être sapeur-pompier parce qu'on peut montrer qu'être une femme, c'est pas forcément être au plus bas que les hommes. Dans cette société-là, maintenant, il faut montrer qu'on est l'égal de l'homme et qu'il faut sortir les crocs et montrer qu'on est là, qu'on existe. Une immense fierté personnelle d'être au même niveau qu'un homme et de montrer à toutes les autres femmes qu'on peut tout faire. Je recommanderais donc à ces femmes qui souhaitent devenir sapeurs-pompiers volontaires de ne pas être rebutées par le fait que c'est un milieu un petit peu plus masculin. Au final, on a tous les mêmes compétences, on fait tous et tous le même métier et tout le monde a sa place.